Bonjour à tous, on se retrouve pour faire la suite de l'utilisation des tampons bois de chez Action. Là, aujourd'hui, je vais utiliser le tampon bois papillon. Le voilà. J'avais acheté oui, il y a un moment déjà. Voilà. Et du coup, on va faire une petite carte. Hop. Alors, j'ai décidé d'utiliser une base verte. Avec une chute de papier vert également. Voilà. Et donc après, je suis venue donc découper dans un de mes blocs vintage que j'avais commandé. Hop, c'est pas dans le tiroir. Sur AliExpress. Voilà, c'est un bloc comme ça là où il y a plein de petites pages à découper. Donc là, il y a les chutes. Voilà, je vais me couper avec ma règle, ma grande règle où en fait elle est, hop, là c'est mieux. Où elle est crantée comme ça, c'est pour faire un effet déchiré. Je suis venue prendre dans les découpes que j'ai reçues ou que j'ai fait des nappes ronds et du feuillage. J'ai du feuillage qui vient de chez Action, donc des branches noires. Noir et craft. Voilà. Et du coup, le papillon, qui est pareil sur du craft mais fin des blocs Action. Je suis venue coloriser avec les feutres à alcool. Voilà. Cette colorisation date un peu, alors je ne saurais pas vous dire exactement lesquels j'ai utilisés. Mais du coup, du jaune, du orange et un orangé plus clair et un peu de marron. Voilà, donc on va passer à l'assemblage de tout ça. Ah oui, et dans mes lots d'étiquettes, j'ai choisi ces deux-là. Donc, hop, voilà. Et du coup, je vais vous montrer l'assemblage que j'avais pensé faire sur cette carte. Donc, du coup, mettre, hop. Mes étiquettes en quinconce. Non, comme ça on voit bien le carte postale. Hop là. De venir mettre le bois. Hop, le papillon par-dessus. Des nappes ronds. Un pied dessous. Hop. Et du coup, un petit peu de feuillage. Voilà. Voilà en gros à ce que j'avais pensé faire. Voilà. Donc je vais passer à l'encollage et on se retrouve en suivant. Que le papillon a collé. Voilà. Mais du coup, je trouve qu'il manque quelque chose ici. Alors, où c'est que j'ai. Hop, voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qui pourrait aller? Ça me plaît bien. Par contre, elle est trop grande. Voilà.
Et voilà. Alors, je vous montre de plus près. Voilà. Donc, la petite carte réalisée aujourd'hui. Voilà. Et je voulais vous montrer du coup, pour ceux qui ont suivi mon haul, j'avais acheté trois vernis. Et là, on a celui qui est un peu terracotta marron. Voilà, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur rendue. Alors après, il faut deux couches, parce que du coup, il n'est pas très matifiant. Mais sinon, il est très très joli. J'aime beaucoup. Voilà. N'hésitez pas, si cela vous a plu, à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce en l'air. Voilà, ça me donne une ordre d'idée si ça vous plaît ou pas. Et sinon, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo en utilisant du coup ce coup-ci le gramophone des tampons bois de chez Action. Au revoir!